Enfin, très son supporter Carlo, les petits poros, comme on dit. Hein. Je parie hein, que vous râlez hein, qu'on a denté. En plus, vous n'êtes même pas capable. Nous, on gagne au moins 5-0 contre l'équipe. Vous, contre Ham, vous n'êtes même pas capable de gagner. Vous êtes des poros, vous n'avez pas joué. Le match prochain, hein, on va prendre notre revanche parce que vous avez bien foutu de notre gueule hein, quand on a perdu contre vous. Maintenant, on va gagner, vos têtes poros. Tantôt, vous irez bien mettre des deux, vous savez même pas jouer, vous êtes des têtes de merde. Et toi, Carvalho, là, le message que tu m'as envoyé, toi, tu es peur de toi ou quoi? Eh, c'est pas le malin, moi j'étais. Eh, nous, on a jamais été en D2, pas comme vous, vos têtes poros. Ouais. On a jamais des problèmes d'argent, on n'a pas fait petit chiffon. Pour aller acheter pour racheter vos dettes parce qu'on avait des problèmes à Charleroi. Alors, le stade du pays de Charleroi, et vous avez qu'à aller bourrer le cul dans tes grognons et foutez-nous la paix, vos dettes pour. Moi, je vous aime pas, ok, vos sales êtes de merde. Vous pouvez tous crever, vous. Vous savez même pas jouer et ça fait des malaises. En 2 ans, ouais, ça monte de descendre 2 fois en D2 et ça fait des malaises maintenant parce que quoi, ils sont 5e, Oh, ça va pas durer, vous ne t'inquiétez pas. Faites saison, vous serez 15e, faites saison. Vous perdez tous vos joueurs, allez. L'Aquet qui est parti, nous on a monté. Attends, c'est pas pour finir, hein. Il y en a plus qui vont partir. Hein. Alors franchement, hein. Et je parie hein, que les joueurs ils partent parce que pourquoi? Parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont 40 francs par match pour acheter leur paye, je parie. Hein. Allez, je vous laisse, c'est hein. Et vive le standard et on sera européen.